Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur More Dames, City of the Damned. Donc j'essaie de continuer avec le chaos, mais alors je vais être franc avec vous, j'ai fait au moins 12 warbands différents. Je passe pas la première mission sans avoir un blessé grave ou... C'est juste une catastrophe quoi, c'est une catastrophe. Donc on va réessayer. Parce que la semaine dernière, j'ai fait une petite vidéo de présentation du chaos vite fait. Et cette team que j'avais montée s'est fait défoncer. J'avais 6 blessés graves sur la même team. C'est un truc de fou, c'est du jamais vu. Les remplaçants étaient blessés, enfin la totale quoi. Donc, on est reparti. Alors, balade dans la brume. Faut aller voler écraser leur volonté, ça veut dire aller voler l'idole adverse et la ramener chez soi. C'est bien pour les scaven, parce qu'ils courent vite, mais alors pour le chaos, c'est pas terrible. Je vais plutôt faire celle-là, condamné à mort. Condamné à mort, c'est plus un objectif à ma portée, hein. Faut péter la gueule à deux adversaires, un ou deux, là en l'occurrence c'est deux. Faut les tuer et les looter, tout simplement. Ok, c'est parti. Alors, Quick. Quick Fast Blade et Savage Ska. À mon avis, c'est du Skaven. Bon, alors, ça, c'est mon héros, mon chef, mon général, ce que vous voulez. Et oh mon dieu, ce que je suis mauvais avec ce gars. Il se fait défoncer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, alors. Donc on oublie pas l'objectif principal qui est de looter les deux. Ah zut. Hop, attends. De buter les deux nommés. C'est Quick. Quick et je sais pas qui. Bon, alors. Première chose, faut que j'arrête mes courses solitaires. Surtout avec lui, parce que lui court très très vite par rapport aux autres. Là j'ai mon héros qui a 38 d'initiative avec une armure lourde, donc il court pas beaucoup. Et mon random là a 19 d'initiative, que alors lui il doit faire 3 mètres par round quoi. C'est un truc de fou. Alors, les archers du chaos sont forts en tir d'alerte. Ils ont 15% de chance de toucher en plus sur les tirs d'alerte uniquement. Donc, il faut qu'on arrive à lui trouver une position sympa, en hauteur idéalement. Ils sont pas mauvais les archers du chaos, hein, vraiment, vraiment. Hop, on se dirige vers la place centrale. Toujours un petit peu chiant de trouver le. Ouais, par là ça passe. J'ai oublié de renommer les joueurs. Je m'occupe de ça tout de suite après. Bah non, je suis à 3 km, enfoiré. Vous avez vu, il a fait 2 mètres le bedeng.
Essayer de récupérer pas mal de mal pierre. J'arrête pas de le répéter, mais l'objectif principal, c'est vraiment, vraiment, vraiment la malpierre. Faut qu'on arrive à remplir les demandes de notre chef et monter les réputations. Monter les réputations, c'est super important. Ça donne du stuff et des nouveaux persos. Alors, ça permet en fait d'aller recruter des personnages dans des warbands adverses. Les humains, par exemple, en montant une réputation, ils peuvent recruter des mutants. Donc le héros du chaos là, que j'ai, peut être recruté par les humains s'ils montent suffisamment leur réputation. Maintenant, faut voir la quantité de pierres que ça demande, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc qui va se faire sur le très long terme. Alors toi, j'aimerais bien que tu montes là-haut. Ah, c'est toujours pareil, là je me mettrais bien sur la place centrale. Et vu qu'on sait pas encore où est l'adversaire. Résultat, je suis en train de faire comme d'habitude, je suis en train d'éparpiller mon warband. Et ça, c'est très 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 con. Mais vraiment très con. Alors, bon, E2, ils sont ensemble, c'est cool. Je vais les emmener par là. Ces trois-là, on va les emmener vers le nord. Et lui, il va rejoindre le chef. Ah bah tiens. J'en ai un qui est là. Alors attends, t'es qui toi? Ouais. Ok. Bon, le héros. Le héros finalement. Hein, ah, je l'ai vu en le faisant. Le héros, on va le rapprocher de mon général. Lui, c'est pareil. A new round has started. Ah, il est là. Je sais pas lequel des deux c'est. Alors, est-ce qu'il est tout seul? C'est important. Ouais. Est-ce que c'est vraiment important? Ce qui est important, c'est que moi, je suis tout seul. Ça, c'est sûr. Salut, Quick Quick. Ok. Ok, nickel. Impeccable. À 36 quand même. Ouais, bien. Oh, 3 points de vie, quoi, merde. Il y en a un deuxième pas très loin. Faut essayer d'écouter les bruits de pas, les auras, les choses comme ça. Tiens, regarde. Voilà, derrière. Bon. Alors. Non, c'est le bord du terrain, encore à gauche. Attends, ah, j'ai fait le con. Voilà, c'est plus par là. Ouais. Ah zut, on le voit quasi là. T'es sûr, tu peux pas tirer entre deux barreaux là? On le voit tout au fond. C'est pas grave, posture d'alerte, ça ira très bien. Oh putain, 60, non, t'abuses.
Non, t'abuses carrément. Canard, hein, c'est le futur. Oh là là, futur grill, mais il a 3 km, quoi. Putain. Oh là là là. Non, mais toi, t'oublies ta malpierre, s'il te plaît. C'est pas la peine. Oh putain. A new round has started. Et voilà. Voilà. Et voilà. Et je le sais, hein, faut que j'arrête, putain, mes courses solitaires, je le sais, mais y a pas moyen. Toujours, toujours, toujours. C'est évident, j'ai un mec qui est en armure en tissu et je l'envoie en première ligne. Il faut que je reste derrière mes armures lourdes. Putain, c'est quand même évident, quoi, merde. Mais non. Ah bah ça c'est le deuxième qu'on doit tuer. Eh, t'as pas vu que t'étais en embuscade toi? Non mais sans déconner. T'étais en embuscade mec. Ok. Eh ils sont combien là? C'est un peu beaucoup non? Ah, recharger, ok. Soixante-dix-sept % raté. Ouais, alors finalement, ouais, je suis à 3. Encore une fois, faut que je laisse tomber ma course à la Malpierre. Pour son esquive, tranquille. A new round has started. Aïe 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 aïe. Alors là, on est dans la merde. Toi, tu m'emmerdes pas, t'as 3 PV, donc fais pas le mariole. Ouais, non, mais. Hein. Tu vas où, toi? Ouais, viens, viens, viens. Viens, viens. Ok. Hop, hop. Ouais. Cool. Allez, montre-nous que t'es un vrai héros, toi. À 5%, t'abuses. Merci. Et stop, c'est à moi. Hop, hop, stop. Alors, t'es où, toi? Ok, tout droit. Nickel. Attention au piège. Impec. Et donc, ouais.
Ah, fuc, fuc, fuc. Un coup de gros pépère. Et merde. Non, attends, on va prendre les éclats. Les éclats, c'est plus gros que les fragments. Et après, c'est les grappes. Là, on va juste créer le surnombre. Tu peux pas changer d'arme? Oh, aïe 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 aïe, non t'es chié quoi. Le coup critique à 52, il fait mal quand même, merde. Allez. Ok. Ah, par contre, il faut que j'arrive, c'est super important, il faut que j'arrive à choper le named. Ça doit être lui. Parce que là, c'est des coups à finir la mission sans... Oh non, 2 PV, mec! Voilà. Ils ont raté leur test de morale, donc ils se tirent et j'ai pas eu le temps de finir la mission secondaire, alors que le gars il était là à 2 PV. C'est triste. Un point de stratégie en moins. Putain. Oh, je vais le dégager, c'est pas, je peux pas garder ça. C'est compliqué de garder un... Blessure légère, sérieux. Parce que la première mission, j'ai déjà 4 jours de blessure. Ok. Ce que je peux peut-être faire, c'est recruter un deuxième chef. 64 gold. Et les faire tourner. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ouais, dégage. Ok. Ça, et on va se recruter. Bon, on va passer 2 jours. Non, on recrute un remplaçant. Allez. Faut enchaîner les missions. Un archer ou un guerrier?
On va prendre un archer. Ça permettra de faire deux teams différentes. Voir un petit peu ce qui marche le mieux. Donc j'ai une requête de paiement qui doit être de 75 kilos, je pense. Voilà. Ah, déplorable moyenne. Allez, on va se faire ça, une course à la pierre magique. Ok, alors. Alors j'ai toujours pas renommé mes petits gars. Alors toi, tu restes en retrait. Tu as une armure en tissu. Oh putain, le paquet de mal pierre qui est là. Allez hop là, demi-tour à gauche. Demi-tour. Et gauche. Oh putain, quoi? Oh non, 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 c'était quoi ça? Alors, malédiction de Mordheim, plus 15% de chance de malédiction. Fatigant, on s'en fout de ça. Résistance. Attends, hop, hop, embuscade, nickel. Alors. On s'excite pas, on y va pas à pas, on n'est pas pressé. Le but c'est d'aller là-bas où il y a toute la malpierre et de faire la razzia. On avance en groupe et on prend pas de risque. C'est une armée assez lente en face, enfin une bande. J'opterai pour des humains. Alors toi t'es tout seul là-bas, je ne sais pas. Il doit puer de la gueule. Ça va, la carte est pas très grande. Alors, vas-y, tu avances et tu vas à gauche. A new round has started. Ok. C'est tout. Ouais, je deviens vraiment frileux avec lui. Hein.
Je fais quoi? Je monte ou pas? Non, là j'aurais pas d'angle de vue. Il faudrait que je monte dans ce coin-là. Ouais, c'est parti. Ah bah c'est du chaos. Impeccable. Allez, viens copain. Allez, tu te casses la gueule. Ah t'es... Allez stop, hein. Tu peux pas m'attaquer, t'es trop loin. Ouais, nickel. Le pire c'est qu'il le fait ce coin-là. Alors, tout droit. Tout droit. Merde, brutille. Putain, m'énerve. Ok. A new round has started. Allez, c'est y part. Lui, c'est le chef. Il a raté son sort, super. Fouet de Tsench. À mon avis, c'était pas bon signe pour lui. Alors, je fais quoi? Compliqué, hein. Là, je peux l'utiliser pour buff mes potes. Mais si j'ai une malédiction de Tsench, je suis dans la merde. Parce que bon, il DPS pas mal, hein, le héros. Voilà. Putain, attaque électrique. C'est pas bon, ça. Alors, je le mets en première ligne parce que il est quand même plus solide que mes archers, tout simplement. Donc, on va juste... On va récupérer de la pierre. Et là, il faudrait que je me colle au chef adverse pour créer le surnombre. Ok, ça marche. Oh, bah, je peux même l'attaquer. Impeccable. 40% d'esquive, c'est pas dégueulasse. C'est parti. C'est pas trop trop mal, après voilà, hein, si je prends un coup critique dans la tronche, ça remet tout à zéro quoi. Mais pour l'instant, on est bien. Tintin. Tu peux aller me looter un petit peu de pierre, toi, ou Objectives updated. Impeccable. Objectives updated. Impeccable. Pas mal, hey, il aura pris 4 flèches dans sa gueule avant de venir au corps à corps. C'est pas mal du tout. Allez, recharge. Et fin de tour. Ah, il passe, il passe. Wow, 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 wow. Contre-attaque, super. Ah merde! Le masque de fou, j'adore.
Toi, est-ce que tu voudrais bien bouger ton cul? Ah, merde. Sans mon archer, je pouvais peut-être charger. C'est con. On va essayer de finir celui-là. Essayer. J'ai bien dit, on va essayer. Putain, non. Oh, t'es chier. Parade à 22%, c'est dérisoire, mais faut bien la tenter. New round started. Et bourre-le. Ok. Allez. Attends, 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 attends. Voilà, faut que je fasse de la place à mon gros. Allez, tue-le. Yes. Merde, il est plein, lui. Alors là, ce qu'on va faire. Hop là. Là, avec trois mecs autour de lui, il va être obligé de faire des tests de d'isolement. Bon, bah, toi. Finalement, tu es arrivé au contact, mais. Ça ne sert à rien. Allez, il faut encore deux fragments. C'est pas le bout du monde. Oh bah tiens, attends. Il y a peut-être une place pour y fourrer un petit coup là. Oui. Allez, rentre chez toi. Alors là, ça va être la razzia. Tout le monde peut récupérer de la pierre magique. Vas-y, fais péter mon gars. Éclatez-vous. Allez bien cette mission. Bon, elle est pas finie, hein, mais. Ouais, y a rien à looter là-dessus. Que de la merde. C'est normal, hein, c'est la deuxième mission. C'est normal qu'il n'y ait pas de loot intéressant. Ok. A new round has started. Moi je veux le gros au bout là. Hein. Fous-moi la paix. Donne-moi le gros bout. Mais non! Lui là. Ah bah, il est plein. Merde. Ça c'est le problème. Hein. Alors, pouf. Embuscade. Eh merde. Ça va, j'ai réussi à avoir l'objectif bonus, je crois. Ouais, impeccable. 3 XP en plus, 10 morceaux de malpierre, 11. Une armure lourde. Très très bonne mission. Bien. Lui, les combattants vedettes. Ah oui, il a mis le.
Il a mis le dernier coup au boss adverse. Donc ça c'est super. Level up de la bande, donc j'ai le droit à une case supplémentaire. Une recrue supplémentaire, pardon. Alors, on paye les salaires, nickel. Et je peux rajouter un membre. Ah bah lui il sera de retour demain avec son armure lourde et. Voilà. Stop, on fait une pause. Le chef. Ah oui, alors déjà. On va lui mettre des PV. Hein. Il monte des points de vie de 2%, c'est très bien. Et intelligence. C'est pour les sorts, bien que commandement. Hein. Augmente la valeur de morale de 2. Allez, c'est pas grave. Commandement, c'est très bien. Alors, donc Canor. Alors, déjà, on va le personnaliser un petit peu. Toc. Alors, moi, j'aime bien les couleurs 4 et 7. C'est. Tiens. Ouais, ça se voit pas là. Voilà. Couleur 4, c'est du rouge. Le 7, c'est rouge aussi, mais inversé. Donc, voilà. Ça, j'aime bien. Okay. Donc ça et donc changer le nom. Lui, on avait dit que c'était Grill. Ah, il dit je veux une bio. Je vais y réfléchir. Hein. Je m'en occupe. Alors, gros pépère, Mister LOL. Là, j'ai un archer qui va s'appeler Nolderize. Alors, notre deuxième, on va l'appeler Gorma. Oh, quoique non, Gorma, je vais lui mettre un gros bourrin. Qu'est-ce que. Tiens, OCB. OCB, c'est cool. Next. Anthony. Fidèle viewer. Charité bien ordonnée. Hein. Ok. Bon, on a renommé tout le monde, c'est cool. Attends, j'ai pas fait tous les passages de niveau. Et pep, 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 pep. Il est où, Grill? Ah, il est pas encore niveau 1. Donc, dans 2 XP, il a sa mutation. Donc, Grill, hein, le but, c'est clairement voilà, un bourrin. Un bourrin. On va pas chercher à chipoter. Là, par contre, je sais pas, morale, dégâts des sorts, résistance magique, résistance. On s'en fout. Vigilance, initiative de 2, ça peut être bien. Résistance à distance, ouais. Commandement. Allez, commandement. Faut que ce soit un bras droit puissant. Lui, il a rien à monter. Alors, Nolderize, on va lui mettre de l'agilité. Le but, c'est vraiment qu'on puisse le poster en hauteur. De la vigilance, ça c'est pour augmenter sa résistance à distance et capacité de tir, c'est pour la précision 2% de toucher et 3% de dégâts, c'est nickel. Tiens, attends 2 secondes, en distance arc et arc court, ouais, tu vois, elle peut pas, c'est dommage. Les archers du chaos n'ont pas le droit au fusil, au pistolet, que dalle. Bon, pareil, hein, agilité et vigilance. Allez, merci. Anthony. Commandement, vigilance. Force, évidemment, et capacité de combat. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai un plus? Ah oui. Mais lui sera là au prochain tour, c'est ça. Jour suivant, confirmé. Mister LOL s'est remis de sa blessure.
blessure. Ok, bon bah écoutez les gens, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que pour le. Avec le chaos, on va bien s'éclater. Les mutations vont être sympas, tout ça, tout ça. Donc bah j'espère que vous appréciez ces vidéos sur Mordheim. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, à partager. Hein. Faudrait qu'on ait un petit peu plus de monde. Et puis bah la prochaine, hein, comme d'hab. Salut les gens.